Bonjour, aujourd'hui un petit point sur la pudeur et la nudité. Je pense qu'il est important d'en parler puisque beaucoup de parents se posent la question de est-ce que je peux être nue devant mon enfant? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait pas? Je pense qu'il est important de pouvoir se dire que la nudité fait partie de la nature et donc de pouvoir se balader rapidement pour aller à un point A, à un point B, notamment la salle de bain, si vous êtes tout nu ou en culotte ou peu importe. C'est pas dramatique, le corps fait partie de la vie et de pouvoir banaliser l'image du corps, ça va pouvoir aussi le désacraliser hein, parce que si votre enfant n'a jamais vu un bout de sein, bah dès qu'il va en voir un, ça va être. Tandis que s'il voit de temps en temps maman un peu les seins à l'air et papa les fesses à l'air, bon bah voilà, hein, le corps, la nudité va vraiment faire partie bah, de son environnement, de son développement, et donc ça va pas devenir quelque chose de pervers, de caché, de mystérieux, puisqu'on sait un petit peu ce qui se passe sous les vêtements de chacun quand on grandit. Je pense que c'est important. N'oubliez pas qu'à un certain âge, je peux pas vous donner d'âge, parce que ça dépend complètement des enfants, il y en a c'est dès 2 ans, dès 7 ans, dès 10 ans. Qui ont une grande pudeur et donc du coup ne vont plus vouloir bah, que vous les voyez nus, qu'il ne faut pas rentrer dans leur chambre, que changer le maillot de bain à la plage, c'est pas possible devant tout le monde, même s'ils ont que 2 ans. Il va falloir respecter ça, c'est très important pour ne pas les heurter, les bousculer dans leur intimité et ne pas non plus bah, abîmer justement leur relation, leur propre corps qui va être en lien avec leur sexualité plus tard. Soyez précautionneux sur leurs besoins qui sont peut-être complètement différentes des vôtres. Peut-être que vous n'êtes pas du tout pudique, mais si vous avez un enfant qui l'est, respectez ça. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt et dédramatisez un peu cette question de nudité du moment que votre enfant ne met pas les mains dans votre vagin, ne met pas votre sexe à la bouche. Tout va bien, mettez les limites qui s'imposent en étant doux, je le répète, et en verbalisant tout simplement. Il n'y a rien de mieux que de mettre des mots sur des choses qui ne vous conviennent pas et qui doivent être respectées, j'insiste là-dessus. Je vous remercie, à bientôt.